Morris nicely led off to Karagounis. Oh, the flag stays down, the chance here for Mitroglou to put Greece in front! And Greece take the lead, and that important goal has gone the way of the visitors, and they now lead by 4-1 on aggregate. And it means that Romania have to score 4 if they want to go through. It's the worst possible scenario for Victor Petrucha's team. Atención ahora, Zapata, Ramírez, James que hace la pausa, y pica bien habilitado. El Tigre, ahí va Radamel, elimina la salida del arquero, no puede Mignolet, que consigue manotear en primera instancia, pero le queda el gol servido a Radamel. Gran precisión por parte de James. Parte muy bien habilitado. Combinación made in Mónaco. Goal. Brilliantly snuck in by Mehmet Erdik. Well, they've been enduring frustration in this first half, Turkey. Suddenly, Chris Jones back defending. Wrong side suddenly gets the better of Chris Baird. Et là, évidemment, maintenant, la Suède doit à nouveau marquer deux buts pour espérer. Mais Cristiano Ronaldo est encore là. Et le record de Paoletta peut-être. Le voilà, le 47e but en sélection pour Cristiano Ronaldo. Un but à l'aller, un triplé au retour. Ce joueur-là n'est pas comme les autres. Cristiano Ronaldo est exceptionnel. Et encore une fois avec le même type de scénario, évidemment, les Suédois qui étaient dans une phase un peu à vouloir jouer et sortir et qui ont laissé des espaces, mais pareil, cette fois, je crois que c'est Veloso d'ailleurs qui se rattrape peut-être de ça pour tout à l'heure.